Bonjour, c'est Magique Pascal. Aujourd'hui, je vous propose de visionner un tour de magie avec des cartes qui est connu sous le nom de Four Card Tricks de Paul Gordon. Ce célèbre magicien est bien connu pour tous ses tours de cartes aux rebondissements percutantes. D'ailleurs, l'effet que je vous ai choisi va vous étonner par son efficacité. Approchez-vous au maximum de votre écran, car je vous garantis qu'il va vous faire réfléchir au maximum. Restez bien jusqu'à la fin, car l'histoire est sortie tout droit de mon imagination. Maintenant, place à la magie. Avant de commencer l'aventure, une carte est sélectionnée par un spectateur. Ici, le 2 de trèfle. Cette carte peut être signée, puis perdue, afin que tout soit clair entre vous et moi. Afin de continuer l'aventure, je vais utiliser mes cartes favorites qui sont autres que les 4 rois. Ces quatre rois vont partir à leur tour retrouver la carte. Mais laissez-moi vous les présenter. Le roi de carreau, le roi de cœur, le roi de trèfle et enfin le roi de pique. Ces quatre rois ont chacun une vertu différente. Le premier possède la faculté de retrouver la position de la carte. Je le laisse agir un instant, pour qu'au bout d'un moment, il revienne dans ma main, pour se retrouver à nouveau avec mes quatre rois. Cependant, le second, lui, a une analyse plus poussée, car lui va trouver la couleur de la carte. Idem, au bout d'un moment, il revient dans ma main. Le troisième, lui, est un peu plus technique. Il a la faculté non seulement de retrouver la position ou la couleur, mais aussi de la ramener légèrement sur le dessus. Au bout d'un moment, c'est idem pour le troisième, il revient de ma main. Quant au dernier, lui, il a une mission un peu plus compliquée. Lui, il doit ramener la carte dans ce mouvement très magique. Car maintenant, dans ma main, je n'ai plus qu'une carte, et pas n'importe laquelle. La carte du spectateur de trèfle.